Ouais, je vais bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille, c'est bon, ouais, ça va, tout le monde va bien et tout, nanana, on a compris. J'espère que vous allez bien, moi aussi ça va. Voilà, on est ensemble, mais là, je viens de faire une petite remarque. Là, il va falloir que tous les clubs français, là, ils sortent l'argent de leur poche. Mais bien sûr, parce que là, la Ligue 1, c'est plus la Ligue 1 comme avant. Là, on est quand même passé du championnat regardé dans le monde entier, parce qu'on avait Neymar, Messi, Mbappé dans la même équipe. Là, les trois sont définitivement partis du Paris Saint-Germain. Tu penses que c'est qui va regarder le championnat de la Ligue 1? Qui? Pour regarder qui? Fabien Ruiz? Skriniar? Hein? Alors là, mesdames et messieurs, c'est terminé les tournées internationales pour toutes les équipes françaises. Terminé! Fini! On veut plus vous voir à l'étranger. Mais oui, il y a plus Messi, il y a plus Neymar, il y a plus Mbappé. Tu veux présenter qui? Fabien Muiz, c'est lui que tu veux présenter à l'étranger? Qui en a quelque chose à faire de Fabien Muiz? Qui? Hein? Là, on va pas se mentir. Le joueur le plus connu du Paris Saint-Germain, c'est Luis Enrique. Voilà. Donc là, mesdames et messieurs, le Paris Saint-Germain va devoir sortir l'argent. Les autres clubs vont devoir sortir l'argent. Mais bien sûr, on était un championnat Lamborghini. On est redevenu un championnat à vélo. Voilà. Voilà les retombées. On a perdu toutes les stars. Qui va regarder le championnat? C'est parti, le cauchemar va commencer. Là, toutes les stars sont soit en Espagne, soit en Angleterre, soit en Allemagne. Et en France, on a Dembélé. Voilà, donc force à toi, Dembélé. Tu as beaucoup de responsabilités aujourd'hui en France, hein, parce que maintenant, c'est toi qui fais partie des deux meilleurs joueurs de toute la Ligue 1. Toi et Aubameyang, il n'y a plus rien à dire. On a aussi, heureusement, Kang In-Lee. Hein, qui est considéré comme Messi en Corée du Sud, mais il est considéré comme Messi qu'en Corée du Sud. Parce que dès qu'il quitte la Corée du Sud, il est où Messi? Ah maintenant, il est à Miami, parce que toi, là, on a failli croire que tu étais Messi. Hein. Tu n'es pas Messi. Tu es maintenant. Voilà, donc là, on a Kang In-Lee qui peut quand même nous rapporter du public qui nous vient de Corée, mais c'est tout. Voilà, donc là, la Ligue 1, on va pas se mentir, c'est pire que le championnat portugais. Pire que le championnat allemand, pire que le championnat italien. Là, nous sommes en train de redevenir un championnat comme le championnat de la Belgique, de la Suisse. Tu te rends compte? La dégringolade. On était en Lamborghini. Tout le championnat en Lamborghini. On se retrouve en pédalo, en vélo. Oh là là! Quelle dinguerie absolument monumentale! On a fait je ne sais combien d'années en arrière. On est revenu à l'époque où avant Ibrahimovic arrive en Ligue 1. Oh là là, qui est la star là aujourd'hui? Hein? Bon, à partir du 31 mai, hein, le 1er juin, le meilleur joueur de France, c'est Aubameyang.